Vous savez, la vie vous passe dessus comme un rouleau compresseur. Il y a deux solutions. Soit les épreuves et les échecs vous changent, soit ils vous tuent. Pour ma part, j'ai essayé d'accepter, mettre en place ce qu'on appelle la résilience, afin de pouvoir rebondir et me reconstruire derrière. Et souvent, le plus difficile, ce n'est pas le début, mais la fin. Il y a les amis qu'on perd, il y a la perte du boulot, d'une famille parfois. Et tout ça fait que parfois on a envie de plonger, on n'a plus envie de se reconstruire, d'aller de l'avant. Mais je pense que quand on regarde à plus long terme, on se dit que parfois la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter. Il faut savoir se reconstruire, savoir faire les choses qu'on aime, les choses qui nous passionnent. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la base de la vie de chacun d'entre nous? Être heureux.